Grosse star de la parapharmacie et de la pharmacie, la mélatonine est devenue un incontournable. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. C'est incroyable, ça veut dire que la mélatonine, elle a pris une place dans la prescription qui est énorme. Alors, je voudrais vous expliquer ce que c'est exactement. La mélatonine, c'est une petite molécule qui est synthétisée dans notre cerveau et qui provoque l'endormissement parce qu'elle a un effet soporifique. Elle a un effet également chronobiologique parce qu'elle permet de recaler la biologie et la chronobiologie de notre organisme en fonction des 24 heures. Donc, c'est un produit intéressant, c'est pour ça qu'elle a été donnée pendant longtemps à des pilotes de ligne ou à des voyageurs uniquement pour régler ce qu'on appelait le jet lag, c'est-à-dire des gens qui étaient tellement décalés dans leur niveau de sommeil qu'on avait besoin de les recaler plus vite qu'en attendant simplement. Vous êtes nombreux sur le site Savoir Maigrir à vous questionner sur le sommeil, son importance sur la perte de poids ou sur la prise de poids. Bah oui, ça joue. On sait depuis un long moment que deux hormones sont sécrétées pendant la période du sommeil ou ne sont pas sécrétées, la gréline et la leptine. Je ne vais pas vous abreuver avec des mots compliqués. L'une d'entre elles, la leptine, augmente la satiété. L'autre, la gréline, augmente l'appétit. Donc forcément, si vous sécrétez beaucoup de gréline, vous aurez plus faim. Et si vous sécrétez beaucoup de leptine, vous aurez moins faim. Et en fait, la leptine est sécrétée pendant le sommeil et la gréline est sécrétée en dehors des périodes de sommeil. Donc quand vous ne dormez pas, vous sécrétez de la gréline et pas de leptine. Donc c'est important d'avoir un bon sommeil, bien sûr sur le plan d'équilibre général, bien sûr sur le plan d'immunité, mais en tout cas c'est important pour ne pas avoir de problème avec sa consommation alimentaire. Je ne suis pas du tout un tyran concernant le sommeil parce que j'ai lu beaucoup de choses concernant le sommeil. Il y a des tas de gens qui vous disent qu'il faut dormir 7-8 heures par jour, faut enlever les écrans, faut dormir à 19 degrés, c'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire. Et j'ai retenu dans un article que j'avais lu dans Le Point, qui était un article à propos d'un article scientifique, qu'en fait ils avaient fait des expériences, il y avait des gens qui dormaient 5 heures par nuit, notamment dans des contrées extrêmement reculées où on n'avait ni téléphone ni télé. Donc les gars s'interrogeaient en se disant, bon écoutez, on veut bien que pour dormir 7 heures il ne faut pas avoir d'écran, mais ceux-là ils n'ont pas du tout d'écran et ils dorment que 5 heures. La mélatonine, elle commence à apparaître dans notre cerveau au moment où la lumière baisse et elle va monter progressivement. Donc quand la lumière baisse, c'est en général le signal pour aller dormir la plupart du temps. Elle va atteindre son maximum vers 3-4 heures du matin. Et puis ensuite, elle va décroître pour redevenir à peu près normale au lever. Bien sûr, tout ça va dépendre de la lumière parce que la lumière et l'extinction de la lumière est le signal de la production de la mélatonine. Il y a plein d'autres usages qui ont été donnés à la mélatonine. Lutter contre la fatigue, prévenir le vieillissement, améliorer l'immunité, tout ça n'a jamais été démontré. La mélatonine sert exclusivement aujourd'hui à essayer de réguler le sommeil des gens. En France, par exemple, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité, déclare qu'il ne faut pas prendre plus de 2 mg de mélatonine par jour. Pourtant, c'est assez curieux parce qu'elle est la plupart du temps en vente libre et donc rien n'empêche quelqu'un, puisque la plupart des produits sont dosés à 1,9 mg, de prendre 3 fois 1,9 mg et d'arriver jusqu'à 6 mg. Pourquoi on a restreint cette autorisation et on a dit 2 mg et pas autre chose? C'est parce qu'à ce jour, plus de 90 effets indésirables ont été rapportés concernant la mélatonine. Parmi les principaux, il y a eu somnolence, maux de tête, vertige et nausée. Donc, si vous prenez de la mélatonine, si vous avez un de ces signaux et si vraiment ça vous gêne beaucoup, vous ne pourrez pas prendre de mélatonine. On fait attention, quand on prescrit de la mélatonine, on la donne rarement ou quasiment exceptionnellement aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu'aux adolescents de moins de 12 ans. On ne la donne pas en cas de maladie auto-immune, en cas d'épilepsie, en cas de trouble de l'humeur ou de trouble du comportement. En tout cas, il vaut mieux éviter de la donner. Vous voyez, par exemple, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Pologne, en fait, la dose recommandée, c'est 1 mg et nous, on a accepté 2 mg. Mais aux États-Unis, en fait, on trouve des médicaments à 2 mg, 5 mg, voire 10 mg. Et on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu beaucoup plus d'incidents avec la mélatonine que dans les autres pays. De temps en temps, vous allez trouver des produits qui vont associer la mélatonine avec soit du tryptophane, c'est un acide aminé, soit de la vitamine B6. Les raisons pour lesquelles vous allez trouver ça, c'est parce que le tryptophane est un acide aminé qui est un précurseur également de la mélatonine. Donc on considère qu'on a deux effets, celui de la mélatonine qu'on prend
et du tryptophane, donc c'est plutôt pas mal de prendre ce produit, et la vitamine B6 qui a un effet apaisant, donc on considère également que ça peut être intéressant. Au titre des compléments alimentaires, ce que vous allez retrouver, c'est essentiellement des produits, alors la plupart du temps c'est des produits comme la mélatonine, mais la plupart du temps on va trouver de la mélatonine qui est mélangée à d'autres produits type des plantes. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé au sommeil, on a une vidéo que j'ai tournée avec un grand spécialiste du sommeil qui est sur YouTube et vous pouvez aller la regarder. Je préfère la mélatonine simplement parce que quand on donnait des produits comme Donormil, c'était des médicaments antihistaminiques, c'est-à-dire anti-allergiques, qui pouvaient présenter des contre-indications avec d'autres médicaments et il y en a d'autres, je crois que c'était Novanuit, c'était la même chose. Et donc j'aime mieux un produit comme la mélatonine qui à mon avis est beaucoup plus physiologique. Après vous allez trouver des plantes pour être associées à ça et de temps en temps juste des plantes toutes seules. Alors je vais vous donner quelques exemples, je les ai à côté de moi. Vous avez évidemment la camomille qui peut marcher, vous avez la valériane qui peut marcher également, la mélisse, la passiflore, ce sont ces médicaments assez traditionnellement utilisés, mais on trouve également de la lavande, de la L-théanine, bref, tout un tas de substances qui peuvent être associées à la mélatonine. Et là, on a un double effet, un effet améliorant sur le sommeil, mais on a aussi un effet apaisant, parce que le sommeil, ça dépend de l'apaisement également. Alors, mon conseil pour la mélatonine, c'est 1. Je préfère qu'on l'utilise sous forme de spray, parce qu'on fait un pchit sous la langue et on peut le répéter dans la nuit si on se réveille. Et en tout cas, je préfère aussi les formes à libération prolongée, parce que les formes à libération prolongée, elles assurent une diffusion de mélatonine qui va durer le plus longtemps possible au cours de la nuit et qui permet de, grosso modo, donner un sommeil de meilleure qualité. Voilà, faut pas hésiter à s'en servir. Faut pas qu'il y ait d'accoutumance. L'ANSES nous dit qu'il vaut mieux faire des cures et arrêter de temps en temps, mais en tout cas, ça rend vraiment bien service. Mais je compléterai par quelque chose. Il y a un syndrome qu'on appelle le night eater syndrome. C'est des gens qui grignotent la nuit en général. Ce grignotage de la nuit, très souvent, quand vous prenez de la mélatonine, il s'améliore, pas seulement parce qu'il y a moins de réveil dans la nuit, mais parce qu'il semblerait que ça agisse sur la pulsion de manger au moment où on se réveille. Donc, c'est pas si mal que ça. Les gens qui ont des pulsions alimentaires, de prendre le soir avant de se coucher un comprimé de mélatonine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous me donnez des idées de vidéos, vous critiquez si vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.